On est là, pasteur. C'est ce que j'entends souvent quand je fais des visites par téléphone ces derniers temps chez les uns et les autres. C'est comme si on voulait se rassurer que tout aille bien. Au moins se parler un peu. Cela fait plaisir d'entendre l'autre. C'est moins virtuel que recevoir un message par WhatsApp. Même si WhatsApp est devenu l'outil le plus important dans nos communautés d'Alexandrie et du Caire ces derniers temps. Nous sommes stressés depuis quelques semaines, la situation évolue très vite, quasiment du jour au lendemain. Il faut rapatrier nos envoyés venant de France et de Suisse qui sont affectés dans les structures protestantes égyptiennes. L'ambassadeur de France nous envoie une vidéo peu rassurant en disant qu'il faille vraiment rester à la maison, ne plus sortir. L'ambassadeur d'Allemagne est plus sobre, nous envoie un email. On est là aussi. Repense-je presque pour me rassurer et rassurer mon interlocuteur. Je suis là, oui, et c'est très bien ainsi. Que je suis content de t'entendre, pasteur. Je te croyais déjà en Allemagne là-bas. Dis, pasteur, on ne pourrait pas se réunir au presbytère pour le culte maintenant que l'église est fermée? Nous ne sommes pas au même rythme de confinement, je me rends compte. D'autres doivent toujours sortir pour aller au travail. Mon interlocuteur est congolais. Il va retourner vite maintenant pour rejoindre sa maison, couvre-feu à 19h. Certains ont déjà perdu leur travail ou sont au chômage technique. On arrive bien à ce qu'on craignait. À la crise sanitaire s'ajoute une crise sociale. Pas de réunion au presbytère, la prédication sera diffusée évidemment par WhatsApp du samedi soir. Les femmes de l'église au Caire chantent et prient les unes pour les autres, toujours à travers WhatsApp, tous les jours à midi. Je tente de réunir le CP via l'application Zoom. Nous comprenons vite que nous pouvons oublier cet outil, puisque la plupart d'eux n'ont pas une bonne connexion à la maison et n'ont pas de Wi-Fi chez eux. Allô? Vous allez bien? Je suis en communication avec une étudiante de Saint-Gor, togolaise d'origine. Ça fait depuis 15 jours qu'elle est chez elle. On est là, pasteur. On est dans la chambre. Elle ne sort même pas pour faire des courses. C'est l'université Saint-Gor qui organise le ravitaillement. Les vivres sont déposés en bas d'immeuble. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'est imaginé ses études en Égypte. Les étudiants ont organisé un programme de prière sur 15 jours auquel ils invitent les Kairot. Certains parmi eux ont préféré de quitter le pays, une dizaine, avant que les aéroports ferment. Sur le groupe WhatsApp des Saint-Goriens sont postées des vidéos montrant des prédicateurs qui associent la pandémie à la punition des péchés. Ces interventions ne semblent pas très évangéliques au sens de la bonne nouvelle. Je pense à un mot dans Isaïe, chapitre 66. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Oui, je crois que l'homme a besoin d'être consolé, surtout pendant cette période. Il n'a pas besoin de se faire peur par rapport à un Dieu qui punirait. Et c'est ainsi que l'homme, avec un grand H, correspond à l'image de Dieu.
son besoin de consolation, le transcende au-delà de lui-même vers celui qui l'a conçu. Ainsi est-il dans le besoin de plus de confiance en Dieu, dans le besoin de plus de courage, dans le besoin de plus d'espérance et dans le besoin de plus de consolation. Et toutes ces choses dont l'homme a besoin ne viennent pas de lui-même. Elles lui arrivent en cadeau. La Bible décrit Dieu comme un Dieu généreux. Il n'est pas avare. Il donne un chez-soi, courage, espérance et consolation. Il donne librement, qu'on le mérite ou pas, car il donne par amour. La contribution de l'homme, ouvrir les mains et recevoir.